J'ai faim. Combien de temps dois-je attendre pour manger? Je veux manger maintenant. De la nourriture, de la nourriture. La nourriture est prête. Profite de ton repas. Qu'est-ce que c'est? Cette nourriture est absolument dégoûtante. C'est horrible. On ne jette pas la nourriture. On va être punis. Papa est gentil. Cet endroit est amusant. Bonjour à tous. Faisons connaissance. Je m'appelle Anxiété. Super coiffure. Tu ressembles à une sirène. Tu peux ne pas me toucher. Courage, vous êtes tous géniaux. Qu'est-ce que ce bouton fait? Je vais appuyer dessus. Stop. Hé, pourquoi es-tu si avare? Ne touche pas au bouton. Grincheux. Éloigne-toi des commandes maintenant. Très bien, très bien. Appuyez sur les boutons sans moi. J'ai appris un poème aujourd'hui. Pluie, pluie, reste et joue. Oh non, c'est pas bien. Je suis impuissante ici. À toi de jouer. Oubliez les mots devant toute la classe. Mode flip out activé. J'ai tout gâché. Je me souviens pas de la rime. C'est pénible à regarder. Arrête. Ça suffit. Tu vas inonder toute la classe de larmes. Attends. Où est Joie? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Mets-toi à l'aise, sereine. La clé de ta liberté est avec moi. Alors tu es coincée ici pour un moment. Au revoir. Quelle terrible trahison. Au secours, laissez-moi sortir d'ici. Elle est introuvable. Pourquoi tu restes là à rien faire? À rien faire? Ce cocktail ne se boit pas tout seul. Quelle équipe! Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, venez ici! Regardez ce que j'ai trouvé! C'est terrifiant! Quelqu'un nous chasse! On va tous mourir! Mourir, c'est tellement injuste! Tu peux ne pas pleurer sur moi! Tu es impliqué dans cette histoire! Admets-le! Tu t'es débarrassé de Joie! Calme-toi, tête brûlée, regarde! Je suis aussi sur la liste! Ça veut dire qu'ils viennent pour moi aussi! Les gars, on a complètement oublié Riley! On dirait qu'elle lit des bandes dessinées. Mes yeux deviennent lourds. Il est temps que Riley aille se coucher. Comment j'ai pu me ridiculiser devant toute la classe? Ils vont se moquer de moi pour toujours. D'accord, il est temps aussi pour nous de nous reposer. Je dormirai pas tant qu'il y aura un meurtre. Je peux me cacher derrière toi. Burke, ne me touche pas. Arrête de paniquer. On va faire le guet à tour de rôle. Je lui fais pas confiance. Nounours, protège-moi. Je veux un vrai lit. Dormez bien. J'ai tout sous contrôle. Je dois essayer de sortir d'ici. J'ai un plan. Ouch. Pauvres cheveux. Ils vont repousser. Maintenant, il faut en faire une clé. Ouais, ça a marché. Je vais t'attraper. Imbécile, t'es le prochain sur ma liste. Oh! C'était quoi ce cri? Je l'ai entendu aussi. Qu'est-ce qui se passe? Où est Colère? Regardez, c'est son marteau! Il a été tué, nous sommes condamnés! Il faut juste que ça rentre. Encore un peu, presque. Oh oh, quelqu'un arrive. Je vais faire semblant de dormir. Avance, mon grand. Tu vis ici, maintenant. Je savais que c'était toi. Ouvre la cage. Passez un bon moment, joli couple. Quoi? Joli couple. Joie, t'es morte? Je suis vivante. Toujours vivante. Et j'ai un plan pour sortir d'ici. Tu es plus folle que ce que je pensais. Le tueur peut être n'importe où. On doit rester vigilant. Colère, sors de là. Tu m'entends? Il n'est pas là non plus. On va tous mourir. J'ai trouvé quelque chose. Burke, ce papier était par terre. Oh là là! Il faut que vous voyez ça. Maintenant, c'est clair. Il a été tué lui aussi. N'importe qui pourrait être le prochain. C'est tellement tragique. Ne vous approchez pas de moi. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Attention avec ça! Je veux pas aller au paradis des émotions. Calmez-vous. Le vrai tueur, c'est Anxiété. Où est-elle, d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Eh,
Pourquoi vous dormez pas? On sait que t'es le tueur. Où étais-tu? Aux toilettes. Vérifie si tu veux. Non merci, je te crois. T'approches pas de moi. Tu es nul pour crocheter les serrures. Donne-moi ça. Je vais le faire moi-même. Donne-moi cette stupide clé. Oups. Oh, c'était maladroit. C'est pas grave, calme-toi. On va trouver une solution. Qui parmi nous est le tueur? Garde tes distances. N'approche pas ces microbes de moi. Maintenant, je dois me désinfecter les mains. Je ne fais confiance à personne ici. Oh, stupide alarme. Elle m'a fait peur. Prends ça. Ressaisis-toi. Où est ta dignité? Désolée, je suis juste devenue très nerveuse. Regardez, il est en craie. Il se réveille. Je désactive le mode sommeil. Oh, c'est quoi ce bruit affreux? D'accord, d'accord, je me lève. Arrête de sonner. C'est l'heure de se préparer pour l'école. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais j'ai pas d'autre choix. Quel est notre plan d'action? Je sais pas. Attends, où est Dégout? Oh non, est-ce qu'elle a disparu aussi? Mauvaise nouvelle. Dégout a été tué. Elle est morte. Ça ne peut pas être vrai. Ne vous approchez pas de moi. Vous êtes des tueurs sournois. On n'a rien à voir avec ça. On est là depuis le début. C'est logique. Mais quand même, restez à l'écart. Quel sale endroit. Et ces deux-là sont là aussi. T'es dans le pétrin maintenant. Calme-toi. On doit agir en une seule équipe soudée. Cette idée me rend malade. Je peux pas la supporter longtemps. Faisons comme si vous aviez inventé quelque chose. Qui sait? On dirait que vous avez besoin d'aide. Oh, la sacoche, on est si heureux de te voir. T'es venu nous sauver? Je ne peux pas ouvrir la serrure, je n'ai pas de main. Mais en moi, vous trouverez des outils pour sortir. Je vais t'attraper. C'est bon. Ouvre-moi. Il veut qu'on regarde à l'intérieur. Allons-y. Qu'est-ce que tu nous caches? Ne t'approche pas de moi. C'est ton dernier avertissement. Je crois que c'est peur qui tue. Sortons d'ici. Comme ça, et ne vous approchez pas de moi. Oh non, j'ai oublié que Riley avait un match de hockey aujourd'hui. Je dois me concentrer sur le match. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je fais une crise de panique. J'ai perdu le contrôle des commandes. Dans cet état, je peux pas aller sur la glace. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa est là pour regarder notre match, au secours! Qui êtes-vous? Chérie, tu ne me reconnais pas? Ah! Ne t'approche pas de moi! Qu'est-ce qui te prend? Oh, ces adolescents. Papa est venu au match. Ajoutons à la collection d'horribles souvenirs. Oups, je sais rien, j'étais pas là. Voyons ce que tu as là-dedans. D'accord, mais pas maintenant. Sacoche, t'as promis de nous aider. Quelqu'un arrive. Tristesse? Tu t'es fait prendre aussi? Je suis désolée, j'ai pas pu tous vous sauver. Il ne reste plus qu'une seule émotion. Je suis si heureuse que vous soyez tous en vie. On est heureux de te voir aussi. Maintenant, sortons d'ici. Tous nos espoirs reposent sur Sacoche. Allez, viens, donne-nous quelque chose d'utile. Je l'ai. Tristesse, anxiété, j'ai besoin de votre aide. Est-ce qu'elles sont fâchées contre moi? Que fait Riley? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'arrive pas à contrôler ma peur? De quoi ai-je si peur? Je veux juste me cacher de tout le monde. Ne me touchez pas. Riley, t'es là? Code rouge, papa va nous disputer parce qu'on a raté le match de hockey. Riley, sors de là, je ne te ferai pas de mal. Ne me touche pas! Alors te voilà. Ne me mange pas, horrible monstre! Papa? Je voulais juste parler, pourquoi as-tu si peur? Qu'est-ce qui se passe ici? As-tu pris le contrôle de Riley? Où est Tristesse? Il ne reste plus que moi. Attention! Ça ne nous aidera pas non plus. Oh, je trouve rien d'utile. C'est bon, il n'y a plus rien là-dedans. Désolée, mais j'ai aidé autant que j'ai pu. On dirait que c'est la fin. On est coincé ici pour toujours. Riley, tu vas tellement me manquer. Quel moment triste. Je suis sur le point de pleurer.
J'ai beaucoup de souvenirs dégoûtants, mais c'était plutôt amusant. Ne vous avisez pas d'abandonner! Riley a besoin de nous! Attendez, j'ai une idée! Je vais nous sortir de là! Qu'est-ce qu'il prépare? Suivez-moi vers la liberté! On est libre! Allons-y, on doit sauver Riley! Pourquoi tu fais tout ça? Mon plan a fonctionné. Maintenant, personne ne peut m'empêcher de prendre le contrôle. Je suis sauvée. J'ai gagné. Oh, c'est vous? Ton plan a échoué. Repose-toi. Je dois examiner le corps. Il doit y avoir des indices ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. C'est la mémoire de joie. Nous sommes sur le point de découvrir ce qui lui est arrivé. Bon travail, l'équipe. On est en train d'y arriver. La préparation de l'anniversaire de Riley est presque dans la poche. Et si j'ai pas l'inscription à temps? Je pourrais tellement gâcher la fête. Horreur! Détends-toi, tu as tout ton temps. Oui, je peux le faire. Embarras? Sors! Tu vas tout rater. Je suis trop embarrassée. D'accord, j'essaierai encore plus tard. Ennui? Comment ça se passe? C'est la fête à fin. Ça, c'est l'esprit. Tristesse, comment est le gâteau? Le gâteau est le plus triste au monde. Attends, quoi? Notre Riley vieillit. Elle va avoir 13 ans. Bientôt, elle sera une vieille dame toute grise. Elle a encore beaucoup de choses devant elle. Souvenons-nous de Riley quand elle était jeune. Pas question. D'accord. Si vous changez d'avis, venez prendre le thé. Je vais juste laisser le gâteau ici. Waouh, j'aimerais avoir à nouveau 13 ans. Attends, ne touche pas au gâteau. Il faut attendre un peu. Il est temps d'allumer les bougies. Où est mon briquet? Tout le monde recule. Oups, essayons encore une fois. Mon briquet est éteint. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stop, où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. À l'aide! Le tueur! Eh bien, génial. C'est clair comme de l'eau de roche. Le crime a eu lieu quand les lumières se sont éteintes. Maintenant, vous êtes tous suspects. Mais je commencerai mon interrogatoire par lui. Moi? Mais j'ai rien fait! On verra bien. Tiens la pancarte. Il y a une erreur. Laissez-moi rentrer chez moi. Assieds-toi. Vous vous trompez de personne. Je suis trop timide pour tuer quelqu'un. C'est ce que vous dites tous. Vous ne pouvez pas me tromper. Je sais que tu mens. Mais je sais pas mentir. Dernière chance. Crache le morceau. D'accord. Juste pas de lumière. C'est parti. C'est mon souvenir. Regardons-le ensemble. Je crois que ça s'est passé comme ça. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. Wow! Qui a éteint la lumière? C'est notre chance. Marteau, fais ce que t'as à faire. Plus besoin de nous donner des ordres. Maintenant, c'est moi qui suis la plus émue. Oh, ça fait mal! Qui m'a frappé? C'est le marteau d'anxiété? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais? Stop! Non! À l'aide! Le tueur! Elle a dit tueur? Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas coupable. Le tueur, c'est anxiété! Voilà une théorie intéressante. Désolée, mais je ferais mieux d'y aller. L'embarras adore se faire des idées. Ne bouge plus! Ne bouge pas! Qu'est-ce qui se passe? Suis-je un suspect? Vous voulez me jeter en prison? Mais je suis claustrophobe! Assieds-toi! Pourquoi les menottes? Est-ce que c'est une sorte de farce? Tu te moques de moi? Assez de questions inutiles, concentrons-nous. Regarde par ici. Je pense que le tueur, c'est toi. Tu fais une erreur. Il est temps de se confesser à cœur ouvert. À cœur ouvert? Le fait est que j'ai rien à confesser.
Je ne crois pas. Tout le monde sait que ce marteau est le tien. Arrête de tourner autour du pot. Calme, regardons ensemble mes souvenirs. Je crois que ça s'est passé comme ça. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. Wow, qui a éteint la lumière? Il est temps de conclure. L'agitation de joie est trop forte. L'âme du héros souffre sous le poids des vieilles blessures. Voilà la cible. Comme tu le souhaites. Quoi? Tu as des cibles? Cache-toi, ma reine. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te faire du mal. Quand est-ce que les lumières vont se rallumer? Oh! Au combat! Pour ma reine! Au secours! Le tueur! Quel dommage! Tu vois, j'ai la preuve que je suis pas coupable. Le tueur, c'est ennui. Ça a l'air convaincant. Vous êtes sérieux? C'est ridicule. Reste immobile et ne bouge pas. Quelle histoire. S'il vous plaît, prenez toutes les photos que vous voulez. Assieds-toi. On me fait perdre mon temps, là. Arrête de faire l'innocente, je vois clair en toi. C'est Ennui qui a tué. C'est elle. Vous êtes si ennuyeux. Ça va te faire parler. Je sais ce qu'il faut faire. Donne-moi ça. Rendez-moi mon téléphone. Le monde extérieur est horrible. Où en étais-je? Qu'est-ce que c'était? J'ai besoin d'informations. D'accord, je vais te le dire maintenant. Voici mes souvenirs. Alors ça s'est passé comme ça. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. Wow, qui a éteint la lumière? Riley, c'est dommageable d'être aussi joyeuse. Nous allons y remédier maintenant. Quel beau morceau. Joie, prends du gâteau. Merci, c'est très gentil de ta part. Essayons. Oh, je me sens pas très bien. Maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Au secours! Le tueur! Horreur, qui a fait ça? Et vous ne m'avez pas cru. Le tueur, c'est tristesse. J'ai compris. Je ne ferai jamais ça. Comment as-tu pu? Une autre photo pour ma collection. Comment est-ce possible? J'aurais été mon ami, je ne lui aurais jamais fait de mal. Assieds-toi. Enlevez-moi ces choses. Regarde-la. Elle se comporte comme un agneau innocent. Mais tout le monde sait que tu es le tueur. Je croyais qu'on était amis. N'essaie pas de me parler gentiment. Je n'ai tué personne. Tes larmes ne me feront pas changer d'avis. D'accord, alors je vais montrer mes souvenirs. Ils parleront pour moi. Voilà comment ça s'est passé. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. Qui a éteint la lumière? Il est temps d'arrêter d'être jaloux de joie. Tu es trop parfaite. Je vais devoir me débarrasser de toi. Tu penses que je suis trop gentille pour me battre? Je vais te montrer. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Il est temps de mettre fin à ce combat. Pourquoi est-ce que tout tourne? Enfin, personne n'a jalousé. Au secours, le tueur. Qui a fait ça? Comme je l'ai dit, je ne suis pas coupable. Le tueur, c'est Envie. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Non coupable. Pas convaincant. Souris. Il faut qu'on règle ça. C'est un coup monté. Il faut qu'on parle. Il y a trop de suspects au tableau. Tu n'as pas besoin de moi? Non. Tu essaies de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Ça prouve que c'est toi, le tueur. C'était elle! Je le sais! On t'a trompé! Parle plus fort! Wow. J'aimerais bien devenir une lampe! Ne change pas de sujet! D'accord, d'accord, désolé. Je vais te montrer mes souvenirs maintenant. Ça t'aidera à découvrir la vérité. Regarde comment ça s'est vraiment passé.
Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vue aujourd'hui? On sait pas. Oh, qui a éteint la lumière? Elle me traite comme un objet. Mais je suis une personne. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Sacoche, tu serres trop fort. Je peux à peine respirer. À l'aide. Le tueur. Je peux pas regarder ça. Maintenant, vous savez que je ne suis pas le tueur. Tu le savais depuis le début. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Désolée, je suis juste fatiguée d'être jalouse de joie. Dépêchez-vous, on peut peut-être encore la sauver. Il faut qu'on lui enlève cette sacoche. Oh, je peux respirer à nouveau. Où vas-tu? Joie, tu es vivante. Elle t'aimait tellement. Comment as-tu pu la trahir? Il est temps de se rappeler comment cette histoire a commencé. Non. Si vous changez d'avis, je serai chez moi. Tu es arrêtée. Ta place est en prison. C'est vrai. Suivez-moi. Alors, vous êtes prêts à faire la fête? Alors, commençons. Qu'est-ce qui se passe avec mon humeur? Je devrais être heureuse. C'est mon anniversaire. Je vais jouer à mon jeu préféré. Attends une seconde. Il faut gagner. Prends ça, Mademoiselle Delight. Mange ça. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que... Ok, bon, game over. J'ai été aspirée dans ce monde virtuel. Étudier? Non, pas aujourd'hui. Il faut finir ce niveau. Comment t'es sortie, toi? C'est chez l'école, c'est interdit. Maintenant, tu vois le monde tel qu'il est. Pas d'illusion. Qu'est-ce que tu fais? Non! Véa. C'est trop flippant. Je suis dans un jeu ou dans la vraie vie. J'arrive pas à comprendre. Ok, il y a un mot. Est-ce que j'ai été adoptée? Oh non, à part cette folle! Mademoiselle Delight! Un vrai cauchemar! Viens ici! Chut, ne panique pas. Je suis ton ange gardien. Cachons-nous dans ces boîtes. Elle ne nous verra pas ici. Vite! Bonne idée! Que cette horreur se termine bientôt! Respire un peu. Un peu d'élégance en ces temps chaotiques ne fait pas de mal. Oh, petite fauteuse de troubles. T'as décidé de jouer à cache-cache avec moi? Personne à l'horizon. Allons-y. Hé, attends-moi! Il y a un panneau ici. Sortie? Définitivement cette porte. Allez! Oh, elle s'ouvre pas! Attends, c'est à empreinte digitale! Il faut poser la main et la porte s'ouvre. Ma main ne rentre pas. Ne bouge pas, on va trouver quelque chose. Peut-être que la mienne marchera. Vas-y. Oh, j'ai peur que non. On était si proches. Peut-être que ma longue jambe marchera. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réfléchir. Il doit y avoir un indice. Ah, le voilà! Tu le vois? La clé de l'énigme. Comme dans un vieux roman policier. Dépêche-toi. En effet, quel indice évident. C'est même signé. Vite, on s'en occupe. Une cassette VHS? Elle a besoin d'un lecteur spécial. Oh, regarde! Cette école a tout ce qu'il faut pour toutes les raretés. On l'allume? Bien sûr! Si tu sais comment faire. Intuitivement. J'ai une idée. Oh, voilà Huggy Wuggy! Il montre un placard. Et dans le placard... Tu t'en souviens? Oui, maintenant il faut juste trouver le placard. Le voilà! Bingo! La clé du salut! Juste ce qu'il nous fallait. Voilà, le sac à dos à deux mains. Ça va résoudre notre problème. On est sauvés, yay! Bleu ou rouge? Vous voilà, mes petits fugueurs. Ah! Sécher les cours, ce n'est pas bien. Vite, ouvre cette maudite porte. Je vais essayer la bleue. Allez, je suis si nerveux. Elle se rapproche. En séchant, tu auras un F. Anna, courons! Nouveau sujet aujourd'hui. Monstre! Oh, elle est si agile! Anna, cours! Ça ne passera pas. Que dirais-tu de chatouille, Mademoiselle Delight? Hein? C'est bon. Waouh, t'es tellement cool! D'accord, j'ai besoin de regarder autour de moi. Cet endroit n'est pas génial. Y a la sortie?
Cours! Oui, par là. Encore verrouillé. Oh non! On a besoin d'un objet qui nous aidera à ouvrir cette porte. On doit regarder autour de nous. Chaque seconde est précieuse. Quelque part ici doit se trouver la clé de ce puzzle. Ça marche pas. Cherchons plus loin. Il y a peut-être un indice ici. Juste un petit indice. Oh, des plantes! Regarde un trésor dans la verdure. C'est notre chance! Maintenant, la cassette VHS est jaune. Oh, belle couleur. On doit la regarder de toute urgence. Ouais, il y a aussi un magnétoscope et un écran. Huggy Wuggy à nouveau sur la vidéo. Alors, un compartiment... C'est clair. Qu'est-ce qu'on y insère? J'ai pas dévoilé l'essentiel. Un petit indice, hein? Allons-y! Voyons voir. Une boîte carrée. Peut-être que Grab Pack va nous aider. Il est conçu pour aider. Rien. Échec. Oh, qu'est-ce que je vois? Catnap! Tu n'es pas assis ici pour rien, n'est-ce pas? Vérifions maintenant. J'ai deviné? On dirait que non. Jouer inutile. Ah, c'est la fin. On sortira jamais d'ici. Je vais trouver quelque chose. Arrête de pleurer. Oh, vous n'irez pas bien loin, les petits écoliers. Non! Tu ne vas pas nous faire de mal. Nous ne resterons pas dans cette école effrayante. Anna, trouve la clé. Je m'en occupe. Pas celle-là. À quoi penser? Attends. Il faut tout examiner. Anna, chérie, dépêche-toi! On dirait que j'ai trouvé un générateur. Il s'adaptera parfaitement à notre compartiment. Check. Allez, on y va. Allez, parfait. Daddy, dépêche-toi, j'ai ouvert cette porte. Dépêche-toi. Cours! Oh! Tu es inutile. C'est des choses qui arrivent. Mademoiselle Delight, tu perturbes le processus éducatif d'Anna. Tu es renvoyée. Pas aujourd'hui, mademoiselle Jupe à pois rouge. Ça va? Oui. Ah! Ça ressemble pas à la liberté. Une autre classe de mademoiselle Delight? Daddy! Quoi? Je suis en retard, chérie. Ah! Silence dans la classe! Alors, où as-tu disparu, chérie? Tu ne quitteras pas mon école sans savoir. Les élèves désobéissants. Il doit y avoir une vraie sortie quelque part. Elle est là! Anna, regarde! Elle est gelée, les batteries sont mortes. Elle réagit pas du tout. C'est étrange. Bon, allons-y. Où est la sortie? Je veux juste rentrer à la maison. Ah! Échapper à Mademoiselle Delight n'est pas si facile. Elle est juste sur vos talons. Ici, notre chance de liberté! Fuyons par la ventilation! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu prépares, Anna? Suis-moi! Je peux le faire! On doit enlever cette grille d'une manière ou d'une autre! Dépêche-toi! J'ai tellement peur d'elle! Le Grab Pack n'est d'aucune utilité ici! Je vais m'en occuper à main nue! Comme ça! Et voilà! Quelle force! Où est-ce que tu vas... Attends... Waouh, en plein dans le mille! C'est toujours comme ça. Quand on croit s'échapper, c'est que le début. Garde ton énergie, Anna. Ne parle pas. Je suis tellement fatiguée de la fuir. Oh, regarde. D'après cette carte, notre sortie est... Là, on rampe. Laisse-moi reprendre mon souffle. Ne te laisse pas distancer. Je fais de mon mieux, mais mon énergie s'épuise. Laisse-moi partir. Retourne en classe! La leçon n'est pas terminée! Et où j'ai réussi à m'enfuir? On dirait que c'est plus loin par ici. Ouais, arrache la grille rapidement! Facile, j'ai déjà de l'expérience dans ce domaine. T'as vu la rapidité avec laquelle je me suis occupée de ça? Alors, une autre classe. Une autre série de problèmes. Non, non, non! Ne nous touche pas! On dirait qu'ils ont eu de sérieux problèmes. Bonjour, n'ayez pas peur, tout va bien. On est venu pour vous aider. Ah, de l'aide? On a besoin d'aide. Tenez, la cassette rouge, vous trouverez un indice dessus. Encore? Comme c'est prévisible. D'accord, on va regarder, merci. C'est notre chance. Faites attention, Mademoiselle Delight a complètement perdu la tête. Et elle n'abandonnera pas facilement. Bonne chance.
Vite, voyons ce qu'il y a dessus. Ouais, il y a aussi un lecteur ici. Un cerf, dépêche-toi. Je me dépêche aussi vite que possible. Ne me bouscule pas. Salutations. Cherchez de l'aide dans ce placard. Grappe pack avec la main verte. Et puis... Ouh, espiègle peluche, tu donnes des indices? À l'aide! Au placard, c'est là que se trouve la clé du salut. Tu vois, le poster avec le grab pack, c'est ça! Tout est comme dans la vidéo, avec la main verte. Mais là, le vert te va bien. Ok, j'y vais. Ouais, j'ai hâte de sortir d'ici. Allez, ça marche pas! Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Il nous manque quelque chose. Regarde la lumière verte! Il faut probablement la toucher. Essayons. Oh, ça se recharge maintenant. Je crois que j'ai compris. Ouais, attache. Peut-être que ça va marcher. Ok, je vais essayer. Oups, j'ai encore échoué. Rien. Anna, t'as vu cette boule magique? Je suis sûre qu'elle contient la solution. On essaye? Oui, je crois que j'ai compris. Il faut relier ces trois points. Et la main verte sera le conducteur. C'est parti. On y va! Et Anna est intelligente! Bravo! On dirait qu'elle n'a pas séché les cours de physique. Il faut juste qu'elle fasse plus attention avec l'électricité. Elle pourrait s'électrocuter. Maintenant, tout est comme il le faut. On est sur la bonne voie. Tu es brillante, Anna. J'y aurais jamais pensé. Et toi, t'entends ces bruits? Ils viennent du tuyau. La clé de la porte. La voilà! Si j'étais toi, je ne gaspillerais pas ma force en vain. Daddy, dépêche-toi! Je vous ai manqué? Je dois y aller! C'est pas la bonne porte! Arrête! La seule façon de sortir est par la ventilation! Notre bon vieux chemin! En avant! Ou plutôt, vers le haut! Stop! Vous voulez me laisser ici toute seule? Je te laisserai pas, Daddy! Que faire? Grab pack? Exactement! Vite! Attrape la main! J'espère que ce truc va me tenir! Ouah, non! J'ai pas pu te sauver. Le tuyau s'est cassé. Oups, un régime ne serait pas une mauvaise idée. Bonjour, peut-être qu'on peut être amis? Soyons amis. Non, maintenant je suis seule. Ça va pas durer longtemps. Bientôt, on sera tous ensemble pour toujours. Ah, je dois sortir. Je veux vivre. Une autre classe de la folle professeure. Quoi? Oh là là, j'ai la chair de poule! Qui est là? Qui s'immiscie? Ah! Anna, ne crie pas, on est là pour t'aider! Prends la cassette, tu trouveras toutes les réponses dessus. Cette fois, elle est bleue. Ok, voyons voir. Et où êtes-vous? Oh, peu importe. Alors, j'espère que cet indice sera utile cette fois-ci. Bonjour Anna, cherche le placard avec l'affiche qui dit... Regarder la télé est mauvais pour les yeux. Ah! Voilà le bon placard, Anna. Vas-y, allez! Les choses bougent aujourd'hui dans Playtime. Où vas-tu? Attends-moi. Maintenant, c'est définitivement au revoir. Mademoiselle Dila était folle. Oh, qu'on pince! Arrête, où suis-je? Catnap sur la couverture? Y'a quelqu'un? Hopi, Piki Pig, des smiling critters partout. Est-ce que j'ai atterri chez eux? Ils sont tous adorables, bien sûr, mais... Mais mon préféré est... Catnap. Je veux être comme toi. Bou. Ah! Oh, c'est toi, Catnap! La créature la plus aimée de la Terre! Quelle tendresse! Tu regardais l'affiche? Je veux être comme toi. Je pense pas que ce soit possible. Rien n'est impossible! Pour être un vrai catnap, il faut savoir aiguiser ses griffes sur le canapé. Si seulement j'avais des oreilles comme les tiennes et ce petit ventre en peluche! Très bien, t'as gagné! Yeah, yeah, yeah! À quelle créature tu veux ressembler? À toi, bien sûr! Moi? Oui, ses oreilles, cette fourrure violette, cependant tu prends forme de croissant de lune! Ouais, génial! Mystique! Commençons par la coiffure! Tu sens pas très bon. Oups, désolée. Je vais arranger ça tout de suite. On dirait qu'Anna ne s'est pas peigné les cheveux depuis un moment. Ah, ça fait mal!
Oh, désolé, ça va? Je vais survivre. Rappelle-toi que tous les chats coiffent leur fourrure avec leur langue. Comme ça. Ok, juste ma langue et de la bave. Peut-être que t'as besoin d'un peu d'entraînement. Je vais devoir intervenir. Assieds-toi. Essayons ça. Après tout, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de magie de chat. Waouh! C'est fait! Tu aimes? La coiffure est fantastique! Merci, Catnap! La prochaine fois, on fera cette expérience avec un peigne. Oh. Je suis réveillée. Qu'est-ce que c'était? Hein? Où est Anna? Y a personne dans la pièce. Une tâche à la place! Hein? Anna! Où est-ce qu'elle est? Elle peut pas abandonner le nettoyage comme ça! Y a personne ici. Quelle sorte de mystère c'est ça? Où est-elle? Une touffe de poils violets. Qui ça peut être? Les gars, commentez ci-dessous à qui appartient cette fourrure. C'est l'énigme du siècle. Sérieux. Regarde et apprends. D'accord. Un cours magistral de toilettage. Bon, il est temps de t'habiller. Défilé de mode, j'en suis. Voici l'endroit où on garde nos costumes. Waouh, il y a tellement de jolies choses. Une boîte à rêves. Un costume de lapin. Non. Cochon? Je veux pas. Il y a tellement de costumes et aucun n'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je suppose qu'on va devoir abandonner l'idée. Oh, s'il te plaît. Ce qui compte, c'est pas ce que tu portes, mais à quel point tu es bien soignée. Quelle sagesse de chat. Voilà. Ça, c'est un rebondissement. On ne s'ennuie pas avec un chat. Voilà. Fourrure. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Couds-toi un costume. J'ai une machine à coudre. Fais-le toi-même. À la manière de Catnap. Oh, c'est lourd. Est-ce qu'on pourrait acheter de la fourrure au lieu de la recracher? Ouais, d'accord. Une question sans réponse. Heureusement que je sais coudre. Et qu'est-ce qui en sortira? Mamie, ma couturière, serait fière de moi. Miaou! Cool, ce chat! Oh! On dirait que mon pendentif ne va pas se calmer aujourd'hui. Du maquillage? Oh, facile. Il est temps de te donner un peu de poudre. Tu t'y connais en maquillage? Non, je vais appeler un professionnel. Oui, Catnap! J'ai besoin de ton aide. Pas de problème, je m'en occupe. Chérie, un instant. Mommy Long Legs a une trousse de maquillage magique avec tout ce qu'il faut pour se refaire une beauté. C'est toi, Catnap? C'est un espace personnel. Et qui est assis sur la chaise aujourd'hui? Oh, commençons. Passe ça. Pinceau. La teinte de peau doit être uniforme. Et les paupières, voilà. On fait Catnap. Il nous faut un joli nez de chaton. Et ce n'est pas tout. Un appareil de torture. Des jolis cils. Wow. Plus de likes, mes amis. Bon travail. Qu'est-ce que t'en penses? Satisfaite? Mon travail ici est terminé. Oh, c'est encore toi. C'est de la folie. J'adore travailler à distance. Qu'est-ce que c'était? Un nouveau service de livraison de thérapie de choc? Eh bien, allez, serpillère, montre-moi les merveilles de la technologie. J'aurais dû regarder le tutoriel sur YouTube avant d'essayer. Oh, quelle tâche tenace! J'abandonnerai pas! Oh, l'aspirateur! Je me demande s'il peut venir à bout de la tâche. Il m'a jamais laissé tomber auparavant. Mais c'était de la poussière. Là, c'est une tâche. Oh! C'est donc là que mes chaussettes disparaissent! Je ferais mieux de faire appel à un service de nettoyage. Maintenant, on est deux. C'est super d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Oh non, mon trésor! Comment on va faire sans ma boule de laine? Oh! Catnap, ne t'énerve pas! Le pendentif? Fumée soporifique? Nouvelle tâche! Intéressant. Quoi? Allez, essaie un peu de lavande. C'est délicieux. Beurk. Comme ça. Mets-la dans ta bouche. Et mâche. Juste comme ça, ça n'a pas l'air comestible.
Berk. Mes amis, rappelez-vous, ne mangez pas de plantes.